Ouais, vous vous souvenez de l'année dernière quand je disais qu'on avait fait à toutes les sauces des adaptations à Christmas Carol? Eh ben, j'ai trouvé celle de trop. Autant Barbie, je veux bien, car le personnage n'a aucun univers fixe et donc peut se permettre d'avoir sa version d'un chant de Noël. C'est aussi possible qu'avec les Muppets ou les personnages Disney, même si c'était un gros film de merde. Je vais sucer ton sang! Mais un chant de Noël version Charlie? Oh, salut Charlie. Salut. Pour ceux qui ne le savent pas, Charlie mon héros, ou All Dogs Goes to Heaven en VO, est un film d'animation réalisé par le grand nom de l'animation Don Bluth. C'est l'histoire d'un chien qui vient tout juste de s'évader de la fourrière grâce à son ami et associé dans le crime Gratouille. Il se fait assassiner par un autre chien, le voulant en dehors de ses magouilles, et se retrouve au paradis, car, comme le titre original le dit, tous les chiens vont au paradis. Mais, refusant sa propre mort, il magouille un tour pour revenir sur Terre. Il en profite pour se venger et récupérer le truc qui permet à Carcasse de faire marcher ses affaires. Une jeune fille du nom d'Anne-Marie, qui est capable de parler aux animaux, lui permettant de savoir qui gagnera la course de chevaux, de souris, de grenouilles, etc. L'histoire tourne mal et lors d'un final tendu, Charlie se sacrifie pour sauver Anne-Marie. Le film est excellent, même si c'est pas le meilleur de Don Bluth. L'animation est magnifique, les personnages sont attachants et très fun. Et le scénario exploite même intelligemment les 5 étapes du deuil. Le déni avec Charlie qui revient à la vie, la colère avec ses intentions de vengeance, le marchandage en faisant des magouilles avec Anne-Marie pour s'enrichir, la dépression où tout s'aggrave, et l'acceptation avec le sacrifice de Charlie. Bref, un super film que je vous conseille. Mais pourquoi en avoir fait une suite? Pourquoi cette version de Christmas Carol existe? Je sais pas si t'es au courant, mais Charlie est mort. Il est cané, fin de l'histoire. Suite impossible, passe à autre chose. À la limite, on peut dire que c'est le fantôme de Charlie qui va servir d'esprit de Noël, donc ça pourrait marcher dans cette optique-là. Mais on peut voir dès le début du film que Charlie et même Carcasse sont bel et bien vivants. Est-ce que j'ai raté un truc? Oui, il s'avère que j'ai loupé pas mal de trucs, parce que devinez quoi? Ce film est le troisième film, Charlie! Comment on peut avoir une trilogie si le personnage principal meurt dès le premier film? Je sais que les suites directes en DVD étaient communes à l'époque, et pas seulement avec Disney, les films de Don Bluth aussi ont eu leur moment de mauvaise suite bâclée, que ce soit Le Secret de Nîmes, Anastasia, qui était même réalisé par Don Bluth lui-même, ce qui est bien dommage, ou encore Le Petit Dinosaure, qui, croyez-le ou non, a eu droit à une série télé et à 12 suites, dont la 13e arrive bientôt. Le seul qui a eu de la chance au niveau suite, c'est Fievel, qui a eu une plutôt bonne suite avec Fievel au Far West. Faut dire, c'est la seule suite de Don Bluth qui est sortie au cinéma. Même s'il a aussi eu droit à des directs DVD pourris et une série pas super après ça. Mais pour Charlie, déjà, il n'y a aucun intérêt scénaristique, car, encore une fois, le personnage principal est mort et heureux de l'être. Mais même financier, ça n'a aucun intérêt, parce que le film est connu pour s'être mangé le fond du box-office après un sacré coup de boule de la part de Disney avec La Petite Sirène. Il a ses fans, bien sûr, mais justement, les fans ne demandaient pas de suite. Encore moins deux suites! Séparées par une série télé! C'est quoi cette manie de sortir toutes ces suites directes en DVD et des séries sur les films de Don Bluth? Heureusement qu'ils se sont un petit peu retenus pour Le Secret de Nîmes. Et pour Le Lutin Magique. Bon, enfin, comment on a réussi à en faire une suite? Eh bien, c'est simple. Carcasse, qui est aussi au paradis, comme je l'ai dit, tous les chiens, même les salopards vont au paradis, vole une espèce de trompette magique super importante pour le paradis des chiens, et va sur Terre pour le remettre au diable, que, j'avoue, c'est sympa d'avoir un peu repris le design qu'on pouvait apercevoir à la fin du premier film. Et Charlie, accompagné de Gratouille, décide de se porter volontaire pour ramener la trompette, même si en vrai, il veut retrouver sa vie sur Terre et se taper une chienne. Donc, tout son développement de personnage et la beauté de son sacrifice. Ah, et au fait, les immortels sont des aliens, Benjamin Gates a dépensé tout le pognon qu'il a gagné avec le trésor des Templiers, l'orphelinat des Bruce Brothers a fermé, K a divorcé et s'est fait déneuraliser, et le jugement dernier est inévitable. Merci les suites de merde! Le film est assez médiocre, comme vous pouvez l'imaginer. L'animation est bonne pour un directeur DVD, bien que très en dessous du premier film, évidemment, mais les personnages sont d'un chiant, les chansons sont incroyablement insipides, le scénario est une perte de temps totale, littéralement, car le diable arrive à manipuler Charlie pour qu'il
perdre son temps au lieu d'accomplir son but. Le film n'accomplit qu'une désévolution totale du personnage, avec Charlie qui devient criminellement con, de la morale, et même l'univers est pas mal tabassé. Genre le diable. Dans le premier film, c'était cette entité floue mais imposante. Et là, c'est un mix entre Jaffa et Ratigan qui est limite bon à se faire bazooker par Schwarzenegger. Oh, et Gratouille est mort. Et personne n'évoque la petite Anne-Marie. Donc je suppose qu'elle aussi, elle est morte. Veuillez nous excuser pour l'interruption de cette blague d'un extrême mauvais goût, car liée au destin tragique de la jeune actrice Judith Barcy, qui doublait Anne-Marie en VO, qui fut tuée par son propre père avant même que le film ne sorte. Toutes nos excuses pour cette preuve de mauvais goût, ainsi que de vous avoir rappelé l'existence d'un tel drame en cette période de Noël. Oh ma puce. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais ce n'est pas ce film débile qui n'a aucune raison d'exister que l'on doit critiquer aujourd'hui, non. C'est sa suite qui a du coup encore moins de raisons d'exister et qui est encore plus con. Alors le film commence sur Annabelle qui raconte à des anges chiots. Film, t'as capté que tu commences ton histoire sur des enfants morts là? Mais enfin, elle raconte comment nos héros ressuscités, qui s'apprêtent à fêter Noël avec des orphelins, ont empêché Carcasse et la cousine maléfique d'Annabelle, Belladonna, oui, c'est ce genre de stupide, de gâcher Noël. La joie de gâcher la fête de Noël. D'après Wikipédia, c'est une adaptation de Christmas Carol. Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec le Grinch? De plus, je suppose que c'est expliqué dans la série, mais qu'est-ce que Carcasse fait là? Il n'est pas censé être en enfer, là, maintenant? Et pourquoi tout le monde l'accepte comme le banquier du quartier? Et Gratouille! Il était retourné au paradis à la fin du 2, qu'est-ce qu'il fout là? Même les films Marvel n'obligent pas les gens à regarder leur série télé pour comprendre un film. Encore mieux, Aladdin et le roi des voleurs ou même l'héroïque Stitch ne vous obligent pas à voir la série pour tout comprendre. Le précédent film suffit amplement pour comprendre pourquoi Iago est gentil, le génie est là, et c'est quoi sous ses cousins Stitch. Mais enfin, Carcasse récupère les os, les cadeaux, la bouffe et l'argent collecté pour l'opération de Tiny Tim du film, appelé Timmy Timmer, grâce à un sifflet hypnotiseur. Après une perte totale de temps avec Charlie qui tente différentes approches pour récupérer ce que Carcasse leur a pris, Belladonna révèle qu'elle s'apprête à utiliser un plus gros sifflet pour que tous les chiens de la ville remettent tout leur possession. Pourquoi un démon veut juste voler des gens? Je veux dire, il devrait pas plutôt essayer de conquérir la planète ou de collecter les âmes des gens ou quelque chose, non? Alors Annabelle donne à Charlie des super pouvoirs, au lieu de descendre elle-même et s'occuper de sa putain de cousine elle-même. Ce qu'elle fait à la fin du film d'ailleurs. Et donc Charlie, qui est trop con pour comprendre que le sifflet maléfique est peut-être situé là où ce gros nuage rouge apocalyptique se forme, décide de convaincre Carcasse de leur dire où se trouve le sifflet géant. Comment? Nous allons jouer un mauvais tour à notre vieil ennemi. Un mauvais tour à la Dickens. Comment ont-ils osé copier la version Doctor Who 12 ans avant qu'il soit réalisé? Ce qui bien sûr marche et Carcasse devient gentil pour empêcher Belladonna d'accomplir son plan magnifique et sauver Noël. Donc la morale de ce film est... Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Comme vous pouvez vous en douter, le film est très médiocre. Et même plus que le deuxième film. L'animation a subi une énorme baisse de qualité, dû au fait que le film est à l'origine un gros épisode de la série télé. Même que c'était le dernier épisode de la série. Ouais, ce film est tellement fainéant qu'ils ont juste recyclé un épisode de la série. Les personnages sont totalement massacrés. Le 2 avait fait de Charlie et Gratouille des stéréotypes d'eux-mêmes, mais au moins ils étaient toujours eux-mêmes. Là, ce sont des garissous, des personnages qui se contentent d'être gentils et héroïques, sans défaut ou quoi que ce soit, et ils en deviennent totalement vides. Aussi, le doublage français reprend... zéro voix des précédents films. Richard Darbois et compagnie sont évacués par des doubleurs moins inspirés et qui n'arrivent même pas à respecter les mouvements de lèvres. Enfin, ça c'est peut-être dû à l'animation qui est juste mal foutue. Et Carcasse change même de voix quand il se met à chanter. Enfin, lors d'une chanson. Dans une autre, il chante lui-même. Regarde-moi ces dents, bien tranchantes, très affûtées. Quand la nuit survient, je me souviens de ma jeunesse. Quand vient Noël. Ok, déjà que je comprends pas pourquoi les mecs ne prennent jamais de doubleurs qui savent chanter au lieu de leur faire changer de voix durant une chanson, mais là il semble qu'ils sachent chanter, donc pourquoi changer sa voix une fois mais pas les autres fois?
Les chansons d'ailleurs sont aussi insipides que dans le deuxième film. Mais parlons de ce qui nous intéresse dans cette émission, le rapport à l'histoire d'un chant de Noël. Le passé de Carcasse ne justifie en rien sa cruauté. C'était un pourri gâté qui a abusé de ce qu'on lui a offert, et quand on a fini par le punir pour sa désobéissance, il décida de devenir un gros connard. On a un terme pour qualifier ça, si je me souviens bien. Ah oui, Justin Bieber. Ça me rappelle la version 101 d'Almatien la série, où on montrait que Cruella était une pourri gâtée, mais c'était montré dans un sens comique. Et c'était non pas sans drame compréhensible, car ses parents n'étaient jamais là pour elle, même pour Noël. Mais là, ce n'est ni drôle, ni dramatique. C'est juste... con. Aussi, c'est quoi ces connards qui virent un chiot de leur maison pour quelques bêtises? Que quelqu'un appelle la SPA ou quelque chose, ce sont des irresponsables! Le présent marche un peu mieux, car ça montre la bonté de son associé malgré le fait qu'il soit un connard, et la peine du chiot qu'il a dévalisé. Surtout la partie avec le chiot, car il se montre admiratif du petit avec qui il s'identifie, et est surpris par son honnêteté et sa chance malgré son handicap. Je dirais bien que c'est bien joué, mais en même temps, faut être aussi con que Barbie pour rater ça. Et le futur, comme dans la version Barbie, ils font l'erreur de faire parler l'esprit, et amènent trop vite la partie « Tu iras en enfer ». Mais au moins, ils conservent la cruauté de ce futur, avec des gens qui y fêtent sa mort, et bien qu'ils ne butent pas Timmy, ils montrent le chiot se faire hypnotiser et donner ses propres cadeaux à Belladonna. Ce qui marche suffisamment bien pour ce que c'est. Et ça va aussi avec le plan de Charlie d'empêcher Belladonna d'utiliser le sifflet géant. D'ailleurs, en parlant de Belladonna, on avait vraiment besoin d'une méchante dans cette histoire! On n'a pas besoin de cette histoire de sifflet hypnotiseur pour voler tous les chiens de San Francisco qui finit en climax bâclé et ennuyé à Alcatraz. L'histoire serait la même sans elle et son sifflet géant. Garde Carcasse en méchant voleur qui dévalise tout le monde et qui déteste Noël. Même la version Barbie a compris qu'il n'y avait pas besoin de méchant. On a déjà Scrooge pour ça. Je vais même dire, ça amoindrit l'histoire d'un chant de Noël, car Belladonna a clairement plus besoin d'une visite des trois esprits que Carcasse lui-même. Et ça amoindrit l'histoire du sifflet géant parce que... Du coup, tu as le pouvoir de voir le futur! Utilise-le pour trouver le sifflet géant et empêcher ce plan de se concrétiser, putain! Avec ça, on a toutes les chances de retrouver le sifflet. Désolé, mais hélas, je crains que ce ne soit pas aussi facile. Ce collier ne pourra pas localiser le sifflet. Si, c'est très simple. Il a pratiquement les pouvoirs d'un ange omniscient, donc c'est très facile de régler tout ça. Je crains que ce ne soit pas aussi facile. Si, ça l'est! Pas besoin de forcer ton scénario à la Dickens! Je crains que ce ne soit pas aussi facile. Oh si, c'est très simple. Tu as un scénario de merde. Fin. Les esprits sont... bouf. Que Charlie serve de Jacob Marley, c'est un très bon choix. C'est un ancien associé qui est techniquement mort, donc c'est parfait. Gratouille en esprit des Noëls passés, bouf, il n'est pas forcément lié à son passé ou quoi. Et pourquoi il est aussi mal sapé? Il peut pas se donner un aspect vraiment fantomatique avec le pouvoir qu'ils ont. Sacha en Noël présent, encore une fois, bouf. Carcasse connaît à peine Sacha, donc il s'en fout, et elle est habillée comme toutes les adaptations du conte. Là, Gratouille aurait été plus approprié, le mec qui est de bons conseils et qui pense à l'instant présent, justement. Et l'esprit des Noëls futurs, au début, il semblait faire le coup de la faucheuse, mais ensuite, on se retrouve avec Charlie habillé comme le masque qui chante du Godspell et donne beaucoup trop d'informations. En plus d'être redondant, vu que Charlie jouait aussi l'équivalent de Marley, mais aussi... Belladonna! Ça me semble un bien meilleur choix pour l'esprit des Noëls futurs. Ou alors le diable, vu qu'il va finir en enfer s'il continue dans sa voie, ça ferait un bon équivalent au Noël futur. Au final, le film est... juste médiocre. C'est même pas une catastrophe spectaculaire comme la version Barbie, parce que là, la morale, elle reste plus ou moins intacte. C'est juste qu'elle est très mal exploitée et très mal délivrée. C'est un dessin animé fainéant et bâclé, sans aucune passion ou énergie, qu'il a pour seule qualité de ne pas apprendre une mauvaise morale aux gosses. Comme le film Barbie ou Bratz le film. Au final, le véritable problème du film, ben, c'est le fait qu'il a aucune raison d'exister. Je veux dire, le monde pouvait se passer d'une suite de Charlie, et encore plus d'une autre suite qui s'avère être l'adaptation d'un chant de Noël. Tout ce que ce film a déceptionnel, c'est son existence, qui est totalement improbable. Même si tu voulais faire un crossover avec Dickens, je suis sûr que t'avais de meilleures séries pour ça. Fievel aurait mieux marché, par exemple. Tu as des tas de films d'animation avec un meilleur potentiel de suite et de version d'un chant de Noël.
pourquoi Charlie, mon héros, qui a une fin qui devait empêcher toute possibilité de suite? Bientôt, tu vas me dire qu'ils ont fait une suite à Donnie Darko. Bref, je ne conseille pas du tout ce film. Mais soyez honnête, si je ne l'avais pas évoqué, vous auriez continué d'ignorer son existence. C'est le genre de merde que tu croises à Jiffy à 2€ la VHS. En 2015. C'est tellement insignifiant que personne n'y prête attention. Donc, honnêtement, n'y prêtez même pas attention. Vous ne trouverez pas du tout de perles qui valent le coup d'être découvertes avec ce film. Donc, faites plutôt comme moi et regardez-vous les adaptations de Christmas Carol produites par Disney, que ce soit la version Muppet, la version avec Mickey, ou la version film d'horreur réalisée par Robert Zemeckis. Et je laisse le mot de la fin à Tommy ! On vous souhaite un joyeux Noël. Promise in your letter.